Voilà, ça y est, je suis à Nice, j'ai récupéré mon dossard. Nuage, hein, ici. Je suis le numéro 163. À demain! Bon ben, salut, ça y est, je suis arrivé à Saint-Martin de Vésubie. Voilà, je suis sur une place, un parking plutôt, puisque en fait je dors là. Je sais pas si vous voyez là. Je vais faire un peu. Hop. Donc je dors là en fait. Voilà. Bon, comme d'habitude, hein. Petit côté alcoolique. Voilà. Donc demain, réveil maximum à 10h. Donc j'ai le temps de dormir. Pour prendre le bus à 11h, direction Nice. Et après, il faudra patienter à Nice jusqu'au départ à 17h. Voilà, tout ça pour revenir ici et récupérer la voiture et rentrer chez moi. Et je devrais arriver dimanche vers un peu dans la matinée, quoi. 7h. Allez. Voilà, une bonne nuit matin. Ciao les loulous. J'ai bien dormi. J'ai quand même dormi de, je sais pas, 11h à presque 7h du matin. Donc ça fait 8h de sommeil, c'est largement suffisant. Je suis monté faire un gros caca. Et là, je range tout. Et après, je vais monter me boire un café, boire de l'eau et attendre le départ. Voilà. Voilà, la ligne d'arrivée. Regardez tomber la pluie. Je prends mon petit déj et c'est là qu'il faudra arriver dans 2 jours à peu près. Voilà, petit déj. Départ de la navette pour Nice. Ouais, voilà, dirige vers le retrait des dossards, enfin la pose de mon sac pour le coup. Et là il y a tous les coureurs là. Hop. Et la plage. Bon ben voilà, la ligne de départ. J'ai trouvé 2 copains. Bon c'est des losers, ils font que le 90. C'est ça, on fait la course en France pour ça. Grand chier. Allez, il n'est pas toujours à mon poste, mais il était mis en place et bien placé lors de cette petite erreur. Souhaitons-lui, en tout cas cette année, de ne pas. Oh, c'est parti. Je marche déjà, moi. On va laisser les autres courir. Et voilà, on est, je sais pas, peut-être au 13e kilomètre. Et voilà, ça fait un peu plus de 2 heures ou 2h30, attendez, hop, ça fait 2 heures qu'on court. Donc je récupère doucement montée et derrière c'est magnifique, comme vous pouvez le voir.
C'est juste somptueux là. Voilà, on vient de passer le 14e avec le second ravito. On est parti pour 16 km à plier en 5 heures. Voilà, toujours une belle vue. Bon, là j'écoute le match Espagne-Portugal. Donc un match de fou, hein. Deux buts de Ronaldo, suivi de deux buts de je sais plus quel espagnol, et encore un but d'Espagne. Donc l'Espagne mène 3-2. Moi j'ai eu un petit moment de flow là, et donc là j'ai bien plané là pendant 5 km là, c'était super cool. Et là j'ai re là pourtant là quoi, on est au 26, je sais plus là, on est au, ouais, au 25e. J'ai encore envie de la, encore la gerbe là, donc faut que j'insiste sur le salé. Voilà. Donc là on est dans une forêt et je devrais courir. Mais là j'ai un peu mal au bide. Oh, regardez, c'est beau. Hein. Vous allez avoir ma tête. Hein. Bon, ça va un peu mieux là. Ma copain. Ah là c'est des soupes. Ouais, c'est beau-piste. Beau-piste-tout en plus. C'est bon ça. Les pâtes. Le ravito salé. Les oranges, gna gna gna, tout ça, coca, les boissons, tous les gens là. Là-bas on prend l'eau. Pardon. Et là, il y a des gens qui dorment là. Et là, il y a des gens qui dorment. Et là-bas, il y a des gens qui se font masser. Voilà. Moi, je me casse. Salut. Voilà l'ambiance de nuit. C'est ça que tu voulais voir. Il y a des mecs qui courent. Et là, ça va, on voit parce que on est en ville. Enfin, en ville. En village. Voilà. On est presque à la fin de la première partie. Moi je suis défoncé. J'ai pas dormi. J'ai essayé de m'économiser mais. Je suis défoncé. J'ai réussi à me réalimenter un peu. C'est joli ici, non? Ouais, je mange ça là, je vais essayer de m'alimenter au fur et à mesure parce que j'ai merdé un peu. Donc pain avec du gel dessus, accompagné d'un bon thé chaud, ça c'est un bon plan. Ça m'a requinqué. Mais du coup j'ai perdu bien 2 heures à récupérer quoi. Mais bon, on peut pas être tout le temps au taquet donc de toute manière. Voilà. Bon. Là, je vais bientôt attaquer la descente. Je vais essayer de faire un petit jogging comme ça. Bon, la nuit, c'était long. Très long. Beaucoup d'ascensions. En fait, donc il y a eu surtout là je suis sur la fin de la deuxième partie. Beaucoup plus costaud. Bien sûr la gerbe. Pas dormi, je pense que je suis dans un groupe là, je commence à être avec des gens qui sont meilleurs que moi là, tout autour de moi, les mecs ils fusent, mais moi comme j'ai pas dormi, je suis avec eux, il y en a plein qui ont dormi demi-heure par terre, la première étape, il y en a même un qui avait dormi 2h30, il est passé comme une flèche en espagnol. Voilà pour le bilan. Il y a eu aussi une longue portion où j'ai eu un peu de flow. Et c'était un plat assez descendant où là j'ai bien allumé, mais après j'ai loosé parce que j'ai eu un coup de barre sur la fin, 2-3 derniers kilomètres, donc je crois que j'ai perdu ce que j'avais rattrapé. Voilà pour le bilan. Allez,
A plus, je redégainerai quand. Ça sera joli. Allez, ciao. Et c'est reparti, le jus revient. Et le soleil aussi. Je crois que je vais tracer direct à Roquebillière. Comme ça. Montagne, collègue. On en chie. Le collègue, il en chie. On est là pour en chier. Là, on fait du trail, on en fait pas, merde. Et on est content. On en fait là. On est content, on commence à avoir mal aux cuisses, on est content. Regardez comme c'est beau. J'aime bien me, vous voyez quand je fais des vidéos. Parce qu'en fait, il n'y a que moi qui les regarde au final. Bon bah là, pas dégueulasse. Hein. Bon, c'était chaud, hein. Je suis arrivé à 8h là, et là il doit être 9h30, je me suis douché, j'ai perdu pas mal de temps, mais j'ai fait la sieste, j'ai mangé, et là c'est reparti, ça va mieux parce que j'ai putain de mal aux pieds. Purée, la sieste ça m'a fait du bien. Bon, c'est beau mais il fait chaud. Bon, là j'ai un moment de flow là, ça va mieux, depuis la fin de la montée là, ça va mieux, beaucoup mieux même. Voilà, regardez comme c'est joli. Coucou. Bon, il n'y a pas trop de réseau, j'ai vu des messages qui disent il est où le champion ou je sais pas quoi, il est où. Eh bien, il est dans une zone hors réseau. Il doit me rester 50 ou 60 km. Je suis cuit. Et j'ai 4 petites bosses à monter et puis la grande descente. Je crois qu'on y est là. Ah. La course elle commence là. Déjà derrière tu vois c'est la haute montagne, mais là là j'adore ce genre de truc. Yeah. Bonjour. Bonjour, ça va? Ouais, nickel. Vous avez une poubelle? Ouais, là, viens là, attends. J'arrive. Attends, je suis en train de filmer. Il est de mal en point, hein, voilà, s'il arrive. Moi je me gave de gel. T'as promis le chemin de crête là-bas, non? Bon bah voilà, on descend là. Ça me casse les pieds quoi. Qu'à de le dire quoi. Parce que ça défonce là. Là j'ai plus de cuisses, plus de pieds. Force d'appuyer dessus, ça fait très mal.
je vais descendre. C'était tendu, hein. Très très dur. Ciao. C'est fini, on descend vers la ligne d'arrivée. Quel talent. Et regardez sur qui je tombe. Un trailer qui ressemble étrangement à mon papa. Il m'a fait la surprise. Hop.